païen ou religieux, la Saint-Marcel. Ça, c'est bien quelque chose qu'on nous demande souvent. Eh bien, là, je crois que la Saint-Marcel, ce qu'il faut voir, c'est que c'est notre fête. Je pense que pour moi, c'est l'âme de Barjol. C'est la fête qui permet aux Barjolais de se rassembler tous. On ne leur demande pas s'ils sont croyants ou pas croyants. Donc déjà, pour certains, elle va être plus religieuse, pour d'autres, elle va être plus païenne, ça, c'est certain. Bon, en tant que Saint-Marcel, obligatoirement, elle est religieuse, puisque nous avons le nom du Saint, et qui dit Saint, et qui dit danse des tripettes, c'est aussi dans l'église, parce que là, on saute dans les rues, dans beaucoup d'endroits, mais dans l'église, je pense qu'il y a qu'à Barjol, hein, c'est bien rare quand même de sauter dans l'église, y compris avec le clergé. C'est sûr que la partie du bœuf, bon, elle fait partie de la légende, je ne pense pas que là, il y ait beaucoup de religion dans le bœuf, mais peu importe, ça a fait un tout. Et puis, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui permet à tout le monde, hommes, femmes, croyants, mécréants ou simplement sans aucune pensée religieuse, quelle qu'elle soit, de rentrer à l'église et de se partager ces moments de bonheur et de tradition.